pour la revue des titres de ce mardi 7 novembre 2023 à la une du journal Yor Yor, non-respect des accords et refus d'ouverture de l'UCAD, le QCEMS, le SAEMS et le SAES sur le pied de guerre. Pas d'école ce mardi sur l'étendue du territoire sénégalais. Toujours avec le quotidien, Fala Fleur recouvre la liberté après être condamné à 10 jours de prison ferme. Vox Pop se penche cependant sur le retrait des fiches de parrainage du candidat Doussonko après ses innombrables tentatives à la DGE. Aïb Dafé rentre broudui de la Sénat, n'ayant pas trouvé le président de la Sénat. Il y retourne aujourd'hui, même en attendant que la nouvelle équipe s'installe. L'équipe sortante doit gérer les dossiers en cours, ce que le ministre de l'Intérieur a dit en commission à l'Assemblée. Selon le mandataire Doussonko, les échos sur l'examen du recours de l'AGE sur la décision de réinscription d'Ousmane Sonko. Le 17 novembre prochain, la chambre administrative va se muer en cour d'appel. Le juge de la Cour suprême ne sera pas seulement le juge du droit, mais il sera le juge des faits. Selon un spécialiste, on est en matière électorale, la Cour examine des faits. Sur soi, toujours sur le contentieux à la Cour suprême entre l'État et Ousmane Sonko autour des fiches de parrainage, un verdict déterminant, la Sénat est hors service jusqu'à la prestation de serment de ses nouveaux membres au Conseil constitutionnel et la passation de service entre Doudoundour et son remplaçant. La Cour suprême va rendre nulle toute décision de la commission électorale autonome si son verdict dans l'affaire du juge Sabassi Faye est favorable à l'État. Tribune sur le président de la Sénat qui se rebiffe le président, le bif Ndiat électoral en téléchargement. C'est la question posé par le journal. Les actes que le régime est en train de poser sont troublants. Le régime est plus dans les dispositions de rouler l'opposition dans la farine pour pérenniser son règne que de travailler à avoir des élections libres et transparentes. Toujours à la Sénat, Bisbi, histoire de récusation. Cher Aobal Fall, comme le général Abdoul Dien, les mouvements de soutien Moustapha Touré contestés puis réhabilités, décision gênante de la Sénat. L'affaire Ndindi et Ndoulo comme celle des fiches de Sonko. L'observateur se penche, lui, sur la fuite du document médical de Sonko. Deux gardes de l'administration pénitentiaire arrêtés par la DIC, l'inspecteur Idriss Sow et l'adjudant Issa Ndiogne perdus par leur téléphone. Libération toujours dans la fuite de la lettre sur l'état de Sonko. Deux arrestations au cœur de l'administration pénitentiaire. On termine avec le sport. Stats quotidien du sport. Premier League, auteur d'un triplé, Jackson explose Tottenham. Sunil Ambu, toujours sur la belle victoire contre Ama Baldé, les enseignements du succès de Modlo, Karen Lo, bien entouré, Ama Esselé, parcelle derrière le roc, Pékin divisé, les entraînements dominent le mystique. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour la revue des titres de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-moi dans quelques instants pour le rendez-vous du journal des JT. Thank you.